Salut les potos, c'est Finality Ward. Bon, aujourd'hui on va présenter l'argent freeze les potos. Donc il est très facile, il va juste falloir bien suivre les étapes. Donc déjà, il vous faut l'argent du véhicule que vous allez acheter. Donc par exemple, si vous achetez que des Deluxo à 4 millions 7, il vous faut 4 millions 7 sur le compte. Donc moi, vu que j'ai moins de 4 millions, je vais acheter des oppressors. Donc comme vous pouvez le voir, les oppressors, elles sont à 3 millions 524, donc il me faut 3 millions 524 sur le compte. Une fois que ça c'est fait, vous allez en mode histoire. Donc il vous faut aussi un poteau qui lance un travail de titan. Donc il se met dans le menu du travail de titan, il y reste et vous envoie une invitation quand vous lui demanderez. Une fois que vous êtes en ligne, vous faites clavier interactif, mode réalisateur. Accédez au mode réalisateur une fois que vous êtes à la caravane. Une fois que vous êtes dans le mode réalisateur, vous faites clavier interactif, éditeur de décor. Donc là, vous allez apparaître comme ça sur le décor numéro 1. Donc là, vous faites croix, vous faites rond et vous faites carré et rond en même temps. À partir de ce moment, vous allez avoir un écran noir, un message, vous le confirmez. Donc là, vous avez la petite carte, la mini carte qui s'est agrandie. Donc une fois que vous êtes comme ça, les potos, vous dites à votre poteau de vous envoyer une invitation par la partie vocale. Donc il va dans la partie vocale, jeu collectif et confirme tous les messages. Donc ensuite, vous avez reçu l'invitation, vous allez dans Amis. Et vous faites rejoindre accepter l'invitation. Donc faut pas que ce soit marqué rejoindre la partie les potos, faut vraiment que vous voyez marqué accepter l'invitation à un jeu. Donc là vous acceptez le message, vous aurez un autre message, vous acceptez le message une fois que vous êtes dans les... Donc là vous faites croix, trois fois rond pour revenir dans le menu, vous acceptez les messages qui vont apparaître. Une fois que vous êtes dans les airs, vous faites PS et vous suspendez l'application avec YouTube ou lecteur multimédia, peu importe. Une fois que vous avez suspendu l'application, vous retournez dans GTA Online. Ok poto? Bon, c'est parti. Donc moi il y aura une petite coupure mais c'est ce qu'il faut faire. Donc là vous acceptez l'invitation, vous faites trois fois rond pour retourner dans le jeu. Une fois que vous êtes dans le jeu, vous allez avoir deux messages, vous les confirmez, un ou deux messages, vous les confirmez. Une fois que vous êtes dans les airs, vous suspendez l'application et vous retournez sur GTA 5. C'est parti. Donc là j'ai relancé l'application. Je tombe sur une alerte, donc je confirme le message. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir l'argent free si tout se passe bien. Donc en haut à droite, ça va être marqué mode réalisateur et vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez par rapport à l'argent que vous avez, bien sûr. Là, vous allez stone en session en ligne. Donc pensez à vous mettre en passif pour pas vous faire tuer. Donc même si vous vous faites tuer, c'est pas bien grave. Mais autant éviter. Et vous vérifiez que l'argent est bien freeze. Donc, vous allez dans l'inventaire, munitions, et vous achetez des munitions. Donc si l'argent ne descend pas, c'est que vous êtes bien freeze. Donc là, je vais remplir mes garages de motos.
Donc moi je vous conseille d'acheter des Deluxo les poteaux. Si vous avez les sous pour acheter un Deluxo, achetez un Deluxo. Moi vu que j'ai plus de place, j'aurais pu acheter des vigilantes aussi, mais vu que j'ai plus de place, je vais acheter des motos. Ça je peux les mettre dans mon QG de motard. Donc profitez pour vous faire un deuxième perso les poteaux et de le remplir. Faites un deuxième perso et vous le remplissez de Deluxo. Comme ça vous avez de l'argent de côté. Une fois que vous avez acheté tous vos véhicules, vous attendez d'être livré. Donc à partir du moment que vous avez été livré le dernier véhicule vous était livré les poteaux, faudra attendre entre 1 minute 30 et 2 minutes. Ok, donc moi je vais avancer ce temps-là pour vous éviter d'attendre les 2 minutes. Donc voilà les poteaux, ça fait à peu près 2 minutes que j'ai reçu mon dernier véhicule. Donc là je vais en mode histoire, donc là vous... Donc là vous dites à votre poteau de relancer un travail de titan. Donc il reste dans le menu et vous invite quand vous lui demanderez. Toujours par un jeu collectif. Et là, je vais devoir faire la même manipulation que tout à l'heure. Vous dites à votre poteau de vous envoyer une invitation par la partie vocale. Vous faites option, ami. Vous acceptez, vous faites trois fois rond. Ensuite, vous acceptez les messages. Une fois que vous êtes dans les airs, vous suspendez l'application. Hop, j'accepte l'invitation, trois fois rond. J'accepte les messages. Une fois que je suis dans les airs, je suspends l'application. Ou un écran noir, ça dépend les poteaux. Le poteau, une fois que j'ai le message d'alerte, je confirme. Ensuite, je vais stone en session en ligne, les poteaux. Donc, ensuite, dès que je serai en session en ligne, il faudra que j'aille switcher tous les véhicules. De tout ce que j'ai acheté, donc tous les véhicules que j'ai acheté, j'irai les switcher. Si j'ai acheté le yacht ou un appartement, il va falloir que je change le décor ou quelque chose à l'intérieur. Ok les potos, sinon ils vont pas rester enregistrés, vous allez les perdre. Donc pensez bien à chaque fois à les switcher. À switcher tous les véhicules, à changer le décor des appartements et du yacht. Donc je vous conseille pas d'acheter l'Avenger, car un collègue une fois l'a acheté et il a été blacklisté. Donc maintenant il peut plus l'acheter mais il l'a pas non plus dans son complexe. Donc évitez d'acheter le centre d'opération mobile et le complexe et l'Avenger avec.
Une fois que je stone en session en ligne, je vais dans tous mes garages et je switch tous les véhicules. Donc si j'ai acheté des appartements et un yacht, je change le décor des appartements et du yacht. Une fois que vous avez switché tous vos véhicules, vous changez de tenue les potos. Vous allez dans style, vous changez de tenue. Vous attendez le rond de chargement jaune en bas à droite. Une fois qu'il a disparu, vous retournez en mode histoire. Une fois que je suis en mode histoire, je fais clavier itératif, mode réalisateur. Donc je vais stone à la caravane, une fois que je suis à la caravane, mode réalisateur à nouveau. Accéder au mode réalisateur. Et là, il me reste plus qu'à faire option en ligne, jouer à GTA Online. Après, soit une session sur invitation, peu importe. Donc en ligne, jouer à GTA Online. Alors, soit Ghost, une session sur invitation, peu importe. Et vous vérifiez que vous avez bien tous vos véhicules que vous avez achetés. Parce que l'autre était pas très belle. Je vérifie que les motos sont toujours là. Elles sont toujours là. Donc voilà les potos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et si vous avez besoin d'aide ou autre chose, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Discord GTA 5 les potos. Donc un bon groupe Discord avec plusieurs bons youtubeurs à l'intérieur. Ainsi que notre groupe Facebook. Ok les potos, tout est en description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez à plus, ciao ciao.